La première lettre de votre prénom révèle votre personnalité. Dans le cadre de la numérologie, toutes les lettres de l'alphabet ont une valeur numérique possédant des propres vibrations et des énergies. Influençant par la même occasion celle de notre prénom. Et comme le précisent également nos confrères d'India Team. La première lettre du prénom a un impact sur notre personnalité. Cette étude des initiales est une croyance populaire ancienne et subjective. Tout comme l'astrologie qui fait partie des arts divinatoires. Voyons ce que révèle la première lettre de votre prénom sur votre personnalité. La lettre A. Vous êtes doté de courage et de détermination et vous avez un esprit vif. Vous êtes confiant et vous savez ce que vous voulez dans la vie et vous faites tout pour atteindre votre objectif. Vous aimez diriger vous-même votre vie. La lettre B. Vous estimez que votre vie privée ne regarde que vous et vous ne permettez à personne de s'y immiscer. Vous gardez vos émotions sous contrôle. Mais vous restez une personne empathique et pleine de compassion. La lettre C. Vous êtes sociable et vous aimez être entouré, mais vous avez la manie de vouloir tout contrôler dans votre vie et de n'en laisser aucune part. Vous êtes une personne fidèle et dotée d'une grande intuition. La lettre D. Sous votre apparence de personne forte et invincible. Se cache un être avec une âme douce et attentionnée. Vous avez une vraie beauté intérieure. Mais vous êtes très méticuleux et inflexible. La lettre E. Vous êtes doué pour la communication et aimez être en compagnie de gens intelligents qui vous stimulent en permanence. Car vous êtes un grand penseur. Toutefois, en amour, vous n'êtes pas très fiable. La lettre F. Vous êtes un fervent romantique et l'amour est votre devise. Aussi, vous attendez la même chose de votre futur partenaire. Toutefois, vous pouvez devenir enfantin et vengeur. La lettre G.
Vous êtes à la recherche de la perfection mais aussi de l'action. Vous abhorrez la routine, l'inactivité ou encore vous ennuyez dans un travail qui ne vous motive pas. Votre point fort est de découvrir la vérité même si elle est dure à trouver. La lettre H. Vous êtes un travailleur acharné et vous ne serez satisfait que si vous réussissez ce que vous entreprenez. Cependant, vous pouvez être possessif et égocentrique. La lettre I. Vous êtes doté d'une grande empathie et vous aimez aider les plus démunis. Mais vous aimez être idolâtré et vivre dans le luxe. L'amour n'est pas vraiment votre point fort. La lettre J. Vous êtes énergique et inspirant et votre engagement fait de vous une personne loyale et patiente et vous recherchez souvent le partenaire qui vous comprendra. La lettre K. En apparence vous avez l'air timide mais une fois que l'on vous connaît, vous arborez une personnalité drôle et amusante. Vous êtes en même un artisan de la bienveillance et vous n'aimez pas jouer en amour. La lettre L. Ce qui vous nourrit, c'est votre empathie et votre nature protectrice envers les autres. La lettre M. Vous êtes un perfectionniste et un gagnant et vous faites tout pour y arriver. Mais vous avez tendance à devenir agressif lorsque vous êtes poussé à bout. La lettre N. Vous êtes une personne créative et vous êtes un artiste dans l'âme et c'est ce qui définit votre personnalité. La lettre O. Vous êtes doté de compassion et d'amour envers les autres et vous êtes quelqu'un de confiance mais vous instaurez votre propre loi et exigez qu'on les respecte et vous êtes intransigeant à ce sujet. La lettre P. Vous êtes attiré par le pourvoir et ce qui vous importe c'est la vie des autres sur votre personne. Ce qui vous pousse à devenir exigeante envers vous-même. La lettre Q. Vous êtes un explorateur et un voyageur et vous aimez expérimenter de nouveaux horizons pour apporter du changement dans votre vie. La lettre R. Améliorez votre intelligence est votre seul et unique but et vous êtes un excellent allié et ami mais vous pouvez devenir facilement colérique. La lettre S.
Vous avez toujours tendance à faire passer les autres avant vous et vous anticipez toujours leurs besoins afin de les rendre heureux. La lettre T. Vous n'aimez pas le changement et vous préférez vivre dans une routine quotidienne égare à ceux qui essayeront de l'interrompre. Pour vous, seul le travail acharné compte. La lettre U. Vous êtes une personne positive et aimez répandre la joie et la bonne humeur autour de vous. On aime être en votre compagnie car votre optimisme est contagieux. Mais vous êtes extrêmement désorganisé. La lettre V. Vous aimez votre solitude et vous ne supportez pas que les gens piétinent votre espace. Vous êtes égoïste et très indépendant. Cependant, vous êtes très engagé dans votre travail. La lettre W. Vous avez une nature égoïste et vous accordez une grande importance à votre personne. Vous détestez être pris au piège. La lettre X. Contrairement à la majorité, vous aimez effectuer des tâches multiples. Cela fait partie de votre nature et vous êtes doué pour le métier de formateur. La lettre I. Vous aimez avoir un contrôle total de votre vie et vous bannissez l'utilisation des émotions dans vos relations. La lettre Z. L'amour est votre principale obsession. Mais vous avez une grande capacité pour diriger et vous êtes doté d'une grande diplomatie.